Benjamin mange la compote de pommes avec des crêpes, œufs, bananes et flocons d'avoine. Puis on est encore dans les débuts là, pour l'utilisation de la cuillère, c'est pas tout à fait acquis. Il prend une bouchée sur cinq avec sa cuillère puis le reste avec ses mains. Ce qui est pas pratique pour la compote de pommes. Tu m'en donnes? Merci! Bon matin! Faut que je me prépare parce que un des amis à mon chum, il est à Toronto, puis on va y aller cet après-midi pour le voir. Je me suis dit que ça faisait longtemps que je m'étais préparée en vous jasant. Ça va être un vlog très tranquille. J'ai filmé un matin un peu plus tôt, là, vous allez voir, j'étais pas maquillée. Mais les jouets préférés à Benjamin, c'est ainsi, puis ça a été difficile. Je me faisais envahir par mon chien puis par mon bébé. Mais si je vais le mettre après parce que j'ai oublié de faire une intro. J'ai commencé ça sec. Fait que je mets de la crème. Ouh, ça sent comme les agrumes. Fait que j'utilise le cachet Cossas dans la couleur 2.5C. Puis je pense qu'il va peut-être être un peu pâle pour moi, mais bon. Je suis un peu plus bronzée, là, vu qu'il commence à faire beau dehors. Bronzée est un grand mot. Je suis pas encore vraiment bronzée, mais moins blanche, si je peux dire. J'ai oublié de mettre mon baume, mais habituellement, je le mets, je l'aime tellement ce temps-ci. C'est de la marque Tula Skincare. Puis dans le fond, c'est un baume rafraîchissant et illuminateur pour le regard. Puis c'est comme nacré un peu, si on veut. Ça a comme un effet, je dirais pas mentholé, là, parce que c'est pas aussi intense que ça, mais un effet vraiment rafraîchissant. Puis ça fait tellement du bien, puis je trouve vraiment que ça l'éveille mes yeux. Mais là, j'ai oublié. Mais je vous le recommande. Un nouveau bronzer que j'ai acheté à la vente Sephora de la marque Hourglass. Puis c'est la couleur Radiant Bronze Light. Puis c'est, dans le fond, ça s'appelle Bronzant Lumière. Fait que c'est vraiment, vraiment lumineux, mais tu sais, pas brillant. Il n'y a aucun brillant, c'est juste vraiment lumineux. Là, si vous connaissez les produits Hourglass, vous allez savoir c'est quoi le fini un peu. C'est vraiment lumineux. Il paraît pas beaucoup sur la peau, mais là, à la caméra, il a l'air de quand même beaucoup paraître. Mais voyons, à la caméra, il paraît donc bien. Dans le miroir, des fois, je m'en mets, puis je suis comme, voyons, je m'en mets-tu? Mais à la caméra, ça paraît vraiment. En tout cas, dans mon écran de caméra. Ce qui se passe ces temps-ci, et là, j'ai une bonne nouvelle, c'est qu'au concessionnaire, ils ont reçu ma voiture. Fait que je suis vraiment contente. Je vais pouvoir aller la chercher. Je vais y aller le 11 mai. La seule chose que je trouve bizarre, c'est que, tu sais, j'avais demandé à être avisée quand il allait partir en production parce que ça prenait comme 2-3 semaines à partir de là, puis moi, j'allais pouvoir m'organiser. Puis moi, il faut que je prenne l'avion, là, pour aller chercher mon auto, fait que ça, je pourrais le faire du jour au lendemain, sauf que, tu sais, les billets d'avion sont vraiment plus chers dernière minute, puis j'ai pas envie de payer un aller par Québec 400$, là. Fait que ça, comme, mais je sais pas, j'ai une expérience bizarre, là, on dirait que ça faisait vraiment pas leur affaire, je sais pas si c'est pour leur commission ou quoi. Et ça faisait pas leur affaire que je puisse pas aller chercher avant la fin du mois. Ils m'ont appelé comme le 26 avril. Tu sais, non, je peux pas aller chercher. On les avait bien avisés là, qu'il fallait avoir un petit préavis, qu'on pouvait pas venir le lendemain ou le jour même. Fait que bref, finalement, tout est bien qui finit bien. Je vais y aller le 11 mai. Fait que je vais prendre l'avion assez tôt le matin. J'atterris à Québec à 9h. Je prends possession de mon auto à 11h. Puis je reviens la même journée. Je vais faire le 8h de route, 8-9h de route pour revenir parce que j'aurais pu rester là, mais tu sais, j'allais encore Benjamin. Puis il aurait fallu que je tire mon lait, que j'apporte mon tire-lait. Il aurait fallu aussi que Théo prenne 2 jours de congé à place de juste une journée. Je crois que ça valait comme pas la peine, tu sais. Je retourne à Québec en juin, puis en plus, on déménage officiellement fin juin. Fait que tu sais, il m'en reste pas long à être ici. Fait que je sais pas, j'en ressentais pas le besoin, là, de planifier toute cette organisation-là pour une nuit de plus, puis finalement, tu sais, dans le fond, je serais partie vraiment tôt le lendemain matin. Fait que je vais faire ça toute la même journée, ça va être réglé, je serai pas trop loin de Benjamin, j'aurai pas besoin de tirer mon lait 29 fois, puis c'est ça. Fait que j'ai vraiment hâte de revoir un auto, honnêtement. J'ai une liste de plein de choses que je veux faire, parce que, tu sais, oui, puis il y a des congés, puis on fait des activités ensemble, mais tu sais, ils prennent congé tous les jours. Pendant ces congés, il y a des choses à faire. Fait que je pensais pas que ça allait me manquer autant d'avoir un auto. Le blush que j'utilisais, c'est un blush de NARS dans la couleur Dolce Vita. J'aime faire les sourcils maintenant. Dans le fond, j'utilise encore, je l'ai racheté, là, c'est de Milk Makeup. C'est le gel sourcil Cush Fiber, puis moi, j'ai la couleur Herb. La seule affaire, c'est que quand il est neuf, je trouve qu'il en met vraiment beaucoup, là. Comme là, j'ai tout beurré mes sourcils. Oh my god. Oh non. C'est son nouveau trip à Benja de faire brrrr à l'infini. Là, ça venait vraiment trop mis ici, là. Mais en tout cas, j'attends que ça sèche un peu, puis je vais repasser une petite brosse dedans pour en enlever un peu. Quand il est nouveau, il en met vraiment, il en met un peu trop à mon goût. En espérant que ça m'enlève un peu. Je pense que c'est pas si pire. C'est du plus égalisé. Les cerisiers sont en fleurs au parc. Au parc! Au parc à côté de chez nous. Puis c'est tellement beau, là. Je veux vraiment aller prendre des photos de Benjamin devant. J'ai le goût de faire ça aussi.
Je sais pas si c'est tout le monde qui partage ma passion pour les fleurs, mais j'aime tellement le printemps parce que tous les arbres sont en fleurs, et les tulipes sortent, toutes les feuilles dans les arbres commencent à pousser, c'est tellement le fun. On dirait que tout renaît ses arbres. J'aime ça, puis j'ai vraiment hâte à l'été. On dirait que l'hiver, je fais juste mettre des cotons wattés, du linge mou, des leggings, mais l'été, je suis comme... Je suis tout le temps en robe, on dirait que je me sens plus moi-même. Aussi, un autre update, que si vous me suivez sur Instagram, vous savez, mais moi et PO, on a acheté des billets d'avion pour aller au Portugal, puis j'ai tellement hâte, ça fait longtemps, longtemps qu'on a fait un voyage international, pandémie oubliée, puis aussi, ça fait vraiment longtemps que je suis allée en Europe, puis on s'est dit pour un voyage avec un enfant, tu sais, ça va être son premier gros voyage, là, il a déjà pris l'avion, je pense, 3 fois, Benjamin, comme, mais c'était des courts vols, puis c'était pas un voyage avec du décalage horaire, puis tout ça. Fait que j'ai vraiment hâte qu'on fasse ça, on va y aller fin juillet, début août. C'est comme vraiment une période touristique, là, mais c'est les vacances à PO, puis on n'avait pas vraiment le choix. Mais tu sais, je pense que ça va être le fun, là. On n'a pas d'attente vraiment élevée pour ce qu'on va être capable de faire avec Benjamin. On a pris juste 2 hébergements différents, un à Lisbonne, puis un à Lagos. Puis on va faire comme on est loin de voiture, là, fait qu'on va se promener à la place de changer tout le temps d'hôtel, tout ça. Habituellement, c'est sûr que nous, on aime ça avoir le plus d'affaires, le plus possible. Tu sais, vraiment rien manquer, mais je pense que là, ça va être une façon différente de faire les choses, plus tranquille, puis on va y aller vraiment au rythme à Benjamin, puis ça va être tout aussi le fun, j'ai l'impression. Fait que si vous êtes déjà allé au Portugal, laissez-moi vraiment savoir vos coups de cœur. Vos restaurants coups de cœur, vos endroits à visiter coups de cœur, peu importe, je veux tout savoir. J'ai tellement hâte, là, oh mon dieu, ça va faire du bien. Pas longtemps après, en octobre, puis où il y a un congrès à Glasgow, qui est en Écosse, puis on va aller en Écosse au mois d'octobre. Fait que je sens que ça va être vraiment une belle année. Sur mes lèvres, j'ai mis le fameux Benetint. Vous savez à quel point je l'aime, Benetint. Mon mascara, je sais pas si je l'ai dit, c'était le Sky High. Depuis qu'il est sorti, je l'utilise puis je l'aime vraiment. Mais c'est ça, le Benetint, ça va faire une décennie que je l'utilise puis je l'aime toujours autant. C'est de Benefit. Puis c'est comme une petite eau qui a une petite teinte dedans. On peut s'en servir sur les joues aussi. Et j'ai les lèvres vraiment pâles de nature puis ça donne une petite coloration rosée aux lèvres. Fait que... Bon, je vais vous laisser parce que Benjamin veut jaser avec moi, fait que je vais m'occuper de lui. Fait que je vais juste parler de ses favoris-là que j'ai pour Benjamin, puis après ça, je vais vous insérer le clip que je parle de ses jouets préférés du moment. J'aime vraiment cette tasse-là qui est de la marque Contigo. Puis j'ai vu des gens en acheter en paquet 3 au Costco, mais en plastique de la même marque. Mais c'est des tasses qui se renversent pas. Fait que il y a une valve à l'intérieur de la paille qui fait que même si on la verse à l'envers, l'eau se renverse pas. Celle-là est vraiment belle, je l'ai achetée sur Amazon puis je préférais qu'elle soit en stainless tout simplement parce que ben je pense que c'est le meilleur matériel pour la durabilité puis aussi ça va mieux garder le froid là, fait que cet été quand on va aller à la plage ou quoi que ce soit, il va pouvoir avoir son eau fraîche. J'adore boire de l'eau tout le temps, il buvait toujours dans mes bouteilles d'eau, fait qu'il est rendu avec sa petite bouteille. C'est ça, j'arrête, mon dieu ça fait 20 minutes, je jase tellement pour rien dire là, il va falloir que je coupe ça. Moi j'allais me coiffer la tête, puis après ça je pense qu'on va aller à Toronto, mais c'est comme en tout cas, ça a l'air plus sûr là, ça a l'air plus sûr, faut que je texte PO. Summer rain on the window. Watch the time float on. Ouais, c'est tout à l'heure qui t'avait dépercé. Mais tu as Pops? Je voulais vous montrer les jouets à Benjamin que j'aime beaucoup ce temps-ci parce que, écoutez, je sais pas s'il y a d'autres personnes comme moi, mais je suis toujours à la recherche de façon de me divertir avec Benjamin tout en le stimulant puis en favorisant son développement. Puis des fois, écoutez, ça devient redondant. Je pense que ça peut être des jouets ou des jeux qu'on peut faire à partir de, tu sais, en haut de 6 mois, j'ai l'impression, mais même avant ça, là, c'est juste que peut-être la façon d'approcher le jouet ou le jeu en question va être différente selon l'âge. Premièrement, ce petit cube-là qui est un cube en bois, puis ce que j'aime, c'est qu'il est plus intéressant que ceux que j'ai vus ailleurs.
Il y en a un vraiment carré avec 3-4 formes, 2-3 couleurs. Vraiment de base. Celui-là, il est super beau. Il est fait à Montréal, d'ailleurs, je pense. Je vais tout vous mettre les liens en barre d'infos. Mais ce que j'aime, c'est que je vais vous montrer. Les formes sont vraiment variées. Là, il y a beaucoup de formes différentes. Puis les couleurs sont super belles. Sont vraiment plus intéressantes. On peut apprendre les formes, les couleurs. Je peux lui dire les chiffres aussi. Benjamin, il n'est pas encore vraiment assez vieux pour être capable de mettre les formes dans les bons trous. Mais il aime vraiment ça quand moi je mets les formes comme proche du trou, puis lui il pèse dessus, puis là il se rend compte que ça tombe à l'intérieur. Tu fais babère à la caméra, hein? Après ici, ce que j'aime, c'est qu'il y a quelques semaines, là, il avait appris, ben quelques mois, ça fait un bout qu'on l'a, mais tu sais, il apprenait à laisser tomber les objets comme ça dans le gros trou, puis à aller en chercher d'autres. Puis sinon, quand il les sort, ben là je dis, ah, c'est le losange, il est orange, je lui dis le chiffre qui est dessus, puis écoutez. Ça me fait quelque chose à lui dire pour développer son vocabulaire. Ouais. Fait que c'est ça. En gros, c'est ce que j'aime de ce jouet-là. J'aime ça que tu l'as. Moi, ça ne m'arrange pas les jouets qui font du bruit et qui ont de la musique ou qui sont en plastique, tout ça, mais j'aime ça avoir une certaine variété entre les jouets pur divertissement et les jouets qui permettent d'acquérir des compétences. Là, toi, tu vas me dénuder, mon amour. Un autre set de jouets que j'ai aimé, c'est de la marque Melissa & Doug. Puis dans le fond, c'est les groupes alimentaires. Et c'est ça, il y a, mettons, un beurre, et des fruits, fromage. Fait que c'est plein d'aliments. Il était catégorisé comme dans quatre petites boîtes de bois selon les groupes alimentaires. Selon les groupes alimentaires. Moi, je les ai mis dans un panier tout simplement parce que Benjamin, il se lève tout le temps debout. Puis il est capable de se rasseoir. Puis, mais tu sais, souvent c'est périlleux un peu ses affaires. Puis j'avais toujours peur qu'il se pète la tête sur un coin de la boîte de bois. Fait que je l'ai mis dans un panier comme mou. Puis c'est ça, c'est le même principe un peu. Quand il prend un aliment, on parle de l'aliment en question. Le fromage. Puis on peut faire à l'aide. On peut faire des conversations à partir de ça. Puis ça lui apprend les aliments. Puis tout ça. Puis là, je vais les mettre un peu plus loin de lui parce qu'il fait juste les lancer au bout de ses bras. Oh mon dieu! Qu'est-ce que tu fais, toi? Tu fais ton petit anal. Je sais que t'as pas faim, t'as mangé, là. Tu viens de manger. Ils m'étourdissent, les deux. Un autre chose que j'aime beaucoup, beaucoup ces temps-ci, c'est ce livre-là qui s'appelle Mon livre sonore. Puis celui-là, c'est sur les animaux. Je l'ai pris au Renaud-Bray. Je pense qu'il est aussi au Archambault. Puis c'est vraiment un livre intéressant parce qu'il est vraiment interactif. Dans le fond, il y a un petit texte. Ça catégorise les animaux selon leur milieu de vie. Puis ça nous dit aussi le son des animaux. Fait que supposons que je pèse sur le perroquet. Ouais! Ouais, t'as raison. Ça, c'est les bruits d'animaux. Regarde, on va peser sur le perroquet. C'est le perroquet! Est-ce que tu veux faire le tigre? Le tigre, il va rugir. Et que c'est ça, Benjamin, il aime vraiment ce livre-là aussi. Puis je trouve que c'est vraiment une bonne façon de lui apprendre les animaux et les sons qu'ils font. Je pense qu'on va finir par casser ma caméra. Fait que bref, sauf que c'est un livre qui... C'est vraiment un bon livre, la gang. Je vous le recommande. Dernière chose, c'est son marcheur, Coucou Village. Il aime vraiment, mais pour l'instant, il est capable de faire des pas, mais il faut l'aider. Puis c'est pour ça qu'habituellement, je filme toujours ce temps-ci quand je suis avec PO ou... quand je suis avec PO parce que je filme quand il surveille pour être capable de faire quoi que ce soit parce que c'est un petit monsieur intrépide, hein? T'es un petit monsieur intrépide, t'es toujours en train d'aller partout, de grimper partout. Oups, tombé! Bon, bye! Bonjour, fait que finalement, on n'est pas allé à Toronto parce que ça a donné mal avec la sieste à Benja, plus c'était compliqué avec la mienne à PO, fait que on n'est pas allé. Puis honnêtement, ça fait quand même un petit peu mon bonheur parce que ça me portait plus ou moins. Mais bref, Benjamin fait sa sieste, fait que j'ai décidé de faire du pain parce que ça fait vraiment longtemps que j'ai fait du pain, puis j'avais le goût.
ça fait un petit bout, j'ai le goût d'en faire. Puis avec un petit bébé, bien, c'est un petit peu plus compliqué. Généralement, c'est des recettes qui demandent un peu plus de temps. Mais j'ai une recette de pain, je sais pas si je l'ai déjà faite sur ma chaîne, mais qui est vraiment, vraiment, vraiment facile à faire. Je sais que c'est pas tout le monde qui aime ça, faire du pain, mais moi, j'aime quand même cuisiner, mais j'aime surtout faire des gâteaux et de la pâtisserie et tout ce qui est boulangerie. C'est vraiment ce que je préfère, mais c'est vraiment ce qui demande le plus de temps. J'en fais pas assez à mon goût. Bref, je vais mettre la recette en barre d'infos si ça vous intéresse. Je me suis fait un petit café, je vais faire ça vraiment vite. Là. J'ai peur que Benjamin se réveille. Mais l'avantage, c'est que cette recette-là est vraiment pas longue. Tu sais, ça prend tellement rien pour faire du pain, là, de la farine, un peu de sel, de la levure, de l'eau. Puis cette recette-là demande un petit peu de sucre, mais sinon, ça demande vraiment pas grand-chose. Moi, j'utilise toujours la balance, mais c'est pas nécessaire pour cette recette-là. Mais c'est vraiment plus précis. Puis moi, j'aime vraiment mieux ça que de mesurer avec des tasses parce que je fais juste pitcher la farine. Puis ça me dit le chiffre. C'est plus facile que de mesurer. Je regardais tantôt mes petites choses sur le Portugal, là, puis j'ai tellement hâte. J'avais comme but de visiter 30 pays avant 30 ans. Je suis vraiment loin derrière dans mon objectif, entre autres à cause de la pandémie. Je sais pas combien de pays j'ai visité. 18. 18. Fait qu'écoutez, il m'en manque 12 à faire en 2 ans. Mais même pas 2 ans, je vais avoir 29 ans bientôt. Fait que c'est impossible. En 30 ans, j'ai réussi mon objectif. Oh, c'est tellement triste. En 2 ans et demi, j'aurais pu tellement faire des voyages, comme au moins. J'aurais peut-être pas atteint le 30, mais peut-être. Ça dépend quel genre de voyage j'aurais fait. Avec le Portugal, ça va faire 19, puis avec le Royaume-Uni, ça va faire 20. Puis là, ben, après, j'aurai des croûtes à manger parce qu'il va juste me rester quelques mois. Fait que je suis pas mal sûre que je visiterai pas 10 pays en quelques mois. Il y a des choses pires que ça dans la vie. Bref. Faisons le pain et je vais aller chercher tous mes ingrédients puis on va faire ça ensemble. Dans un gros bol, on mélange la farine, le sel, le sucre et la levure instantanée. On mélange tout ça avec une fourchette. Après, on ajoute l'eau. Et ce qui est fun avec cette recette-là, c'est qu'on n'a pas besoin de pétrir. Fait que c'est extrêmement facile. On met un linge là-dessus, on laisse ça reposer une heure. J'ai reçu ma commande Zara, une commande Zara que j'avais passée pour les vêtements d'été à Benjamin, fait que je voulais vous la montrer. J'ai pris deux morceaux pour moi, je vais commencer par ça. Premièrement, j'ai une petite camisole comme ça, sans manches, elle est trop grande, fait que je vais la retourner, c'est un crop top. Je trouvais que ça allait être beau avec des jeans ou des shorts. Et l'autre chose, c'est une robe, tellement une belle robe, elle est en mélange de lin rouge. Imaginez-moi au Portugal avec. Elle est tellement belle. Fait que c'est une robe courte, comme ça, avec des petites manches un petit peu bouffantes, mais pas trop. Puis un petit détail comme froufrou. Allez. C'est quoi ta lettre? C'est l'invitation. Ok, on peut pas aller. Puis le reste, c'est tout pour Benjamin. Dans le fond, c'est du linge vraiment basic. Là, j'avais commandé d'autres vêtements, mais là, il est dans sa chambre, puis il dort. Je vais vous montrer celui-là. J'ai commandé 3 paires de la même sorte de short. Je trouvais qu'ils avaient l'air vraiment confortables et qu'ils sont comme ça. Et elles sont comme en petit coton ouaté. Benjamin, il a jamais mis de jeans encore là, dans sa vie, fait que je l'habille toujours très confortablement. Je trouve que pour lui, tu sais, il se promène, il rampe, il marche à 4 pattes, il se lève debout, je sais pas, en jeans. Moi, je suis pas confortable, j'imagine que lui non plus l'est. Des petites shorts comme ça, elles sont vertes sauge. J'ai pris les mêmes en bleu marine, comme ça, et en crème. Puis, j'ai pris un petit t-shirt. Comme ça, qui est trop cute. C'est des petits léopards, je pense, avec des petits palmiers. Puis je trouvais que ça faisait beau avec les 3 couleurs de short. T'sais, avec les crèmes, c'est beau. Avec les bleus, ça va être beau. Puis avec les vertes aussi, parce qu'il y a comme des petits palmiers verts. Là, je sais pas si vous voyez, fait que ça va faire avec tout. Sinon, j'ai pris en bleu un petit t-shirt aussi avec une petite poche comme ça. J'avais pris un rayé aussi. Mais il n'y avait plus, je sais pas, ils me l'ont pas envoyé, là, ils l'ont comme enlevé de ma facture. Fait que j'imagine qu'il n'y avait plus sa part. Et dernièrement, je lui ai pris une petite salopette comme ça, qui est comme orange brûlé. Puis le tissu est en mélange de lin, là, c'est un peu comme ma robe. Puis c'est trop cute, là, il n'y a rien que j'aime plus que Benjamin en salopette. Je trouve qu'un bébé en salopette, c'est la chose la plus cute au monde. Je la trouve vraiment cute, puis même, avec son petit t-shirt, en dessous, ça va être vraiment beau.
Fait que si c'est pour ma petite commande Zara, c'est pas grand chose, je voulais vous la montrer. Bonjour, je sors et du pain, j'ai pris un petit pain. Je voulais vous parler de mon pain. Je disais que c'était un pain qui était impossible à rater, puis que c'était vraiment facile pour les débutants, puis tout ça. Ma levure était passée date. Fait que j'aurais pas de pain. J'avais tellement le goût d'un bon pain. Non, ma levure est passée date. Fait que ça a pas gonflé. Fait que sur cet échec monumental, je vais vous laisser. Puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye. So many times.